Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Il faut qu'on aille à Quick. Je crois qu'à 1h on a le temps. Oh, il est 18h13, t'as toujours pas fait. Normal. Sacré frère, après sacré. Je pense qu'il y a des fois où je ferais mieux de fermer ma gueule. Donc faut qu'on s'enfonce vraiment vraiment au fond là où il y a personne. Donc dans cette vidéo, ce que vous allez voir les amis, c'est tout simplement une cabane. Salut internet, c'est Kamoff. Vous savez que c'est un peu compliqué pour moi en ce moment, mais avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de Boy Pro. C'est le pronostiqueur qui fait en ce moment fureur sur les réseaux. Il m'a fait gagner pas mal d'argent et il peut vous faire gagner pas mal d'argent à vous qui regardez cette vidéo. Si vous croyez en ses talents et si vous voulez voir vraiment ce qu'il vaut, ça se passe sur Snapchat, c'est simple, rapide et efficace. Le son. Je suis dans une merde pas possible. Trouille là, il patrouille là. Je voulais savoir, est-ce que vous savez où c'est le boulevard de Strasbourg, s'il vous plaît? C'est quoi? Arrête-toi! Suis, vas-y, avance. Il y a les giros. Allez, on se revoit, allez. Vous avez payé les gars, c'est inadmissible. Que tu fasses des vidéos sur YouTube, ça me tape. Mais ça me prend une force de l'ordre. Alors les gars, il est là. Voilà, ça donne ça. Voilà, encore ça va, il est pas trop serré. Bon les gars, la première étape, ça va être d'enlever cette merde. Parce que j'en peux plus, au moins ça me libérera un peu. Ça fait bien une heure qu'on marche. On peut le voir à ma gueule, je transpire partout. Comme vous pouvez le constater, on est vraiment au milieu de nulle part. A bientôt! Bonne nuit! Putain, c'est la merde là! C'est la merde! Donc voilà, je lui ai apporté un sac de nourriture. Il a de quoi survivre. Une heure que je marche. Très 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 dur. Anto? Anthony? Oh! Anthony? C'est moi. J'ai apporté à manger. Ça va? J'ai apporté un sac de nourriture et de quoi boire. Ça va quoi? Ça va et toi? Regarde. Ça va, qu'est-ce que tu m'as pris? J'ai pris des boîtes en conserve. Et j'ai pris une bouteille d'eau. Ça va, c'est pas trop dur. T'as mis la première vidéo sur YouTube? Ouais, c'est bon. Mais moi j'ai les mêmes habits, ça fait 3 jours. Putain. Ça se sent. Hein. Ok. Il est 5 heures, ça le monde quand même. Ah, des fois, j'ai l'impression que. Des fois, je ferme mes yeux pour dormir, tu vois. J'ai l'impression d'entendre des gens parler et tout. Tellement je suis seul, tu vois. Des nuits, je me suis bouffé. Les lèvres, les moustiques. Enfin, mais la moustiquaire, ça rentre. Ils rentrent quand même, je sais pas comment ça se fait. Qu'est-ce qu'ils disent les gens sur les vidéos? Bah écoute, ils se posent beaucoup de questions, hein, frérot. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais, les amis, sachez que j'ai acheté une puce prépayée pour avoir un peu l'accès à internet et pas me faire griller.
gens comme toi qui prennent des risques aussi en venant. Eh oui, moi aussi je prends des risques. Hein. En un filmant. C'est bon. Tu me dis, on lâche pas les vrais amis. C'est sûr. Je peux pas rester ici trop longtemps. Hein. Parce que c'est soit moi je vais péter un plomb. Tu vois, je vais te dire, soit je vais me faire péter, frère. Ah, tu vas serrer, moi. Je suis dégoûté, frère. Le pire, ça doit être la nuit, non, frérot? Ah, c'est horrible. La nuit, parce que le pire, c'est que tu sonnes. T'entends? Ouais, c'est quelque chose. Y'a un drone, frère. Y'a un truc qui vole. C'est gros, je crois, c'est vrai. Y'a un drone, frère. C'est quoi, un drone? T'entends ou pas? Je sais pas si on entend la caméra avec les cigales. Je l'entends, moi. Je l'entends. Je l'entends, frère. Pas fou, frère. Y'a un truc qui vole. Oh, frérot. Viens. Oui. Il est là, ma mère. Il est très bien. Je le vois pas. Gros, il est juste là. Bon, faut juste prendre les affaires sur taillées, il y a le drone qui arrive. Allez. On laisse la tente, on va les couilles. Là, tu t'entends ? Eh oui. Frère, il est juste là. Bro. Il est juste là, bro. Regarde, là. Frérot, il est juste là, le drone il descend. Viens, on taille, vite. Viens, on taille. Vous avez vu, il arrive, viens, on taille. Vite, frérot, vite. Vite. Voilà, là on va prendre toutes les affaires parce que s'il nous a vu et qu'il a vu la tente, ça veut dire qu'il sait où on est planqué. Et vu comme il nous a suivi, frérot, c'est pas quelqu'un qui nous veut du bien. Donc on retourne vite à l'endroit où il y a la tente. Et faire vite. Gros, je suis en stress, frère. Je stresse. Allez! Je prends la tente, j'ai que ça pour dormir. J'ai mis une photo et tu fais un cavale. Ouais, et alors? Et donc c'est moi le drone. Je t'ai vu. Attends, je comprends pas. Attends. Tu es qui? Tu es quelqu'un qui habite dans le coin, je te connais. Tu me connais d'où? D'où tu me connais? Tu es connu, je te connais. Tu me connais pas personnellement? Non, il y a deux options. Soit j'appelle ça. Attends, tout de suite. Moi j'en ai qu'une option. Soit je t'arrache la tête avec le drone. La deuxième option, c'est je t'arrache la tête tout court. On fait quoi? Moi je te donne une option. Soit j'appelle. Le combien maintenant? Toi, tu me donnes 1000 euros. Je prends ça de 1000 euros pour que tu te dans ça. Non, tu te casses la bouche ou quoi? Non. Je crois que là, c'est je... Non, mais là, je suis pas d'humeur. Non, mais je t'explique. Je suis pas d'humeur. Ne me casse pas les couilles. Ne viens pas me casser les couilles. Tu as reconnu la photo Instagram, l'endroit patin avec ton drone à la con. Je m'en bats les couilles. Maintenant, tu prends ton drone, casse-toi. Mais ben, ça va, ben, je vais appeler les flics alors pour te dénoncer. Ça t'apporte quoi, ça? Mais ben, ça te dit pas. Moi, je veux que ça se règle. Ça fait des conneries. Moi, j'ai des conneries. Quelle connerie? Et on a vu tous la vidéo sur YouTube que tu montais dans le coffre de police. Et alors? C'est quoi? J'ai fait un truc de fou? Non, mais. Tu mérites d'aller en prison pour ça? Non, tu mérites pas, mais respecte la loi. T'as besoin de faire une cavale. Prends ton drone, casse-toi avant que je t'arrache la tête. Casse-toi maintenant. Vas-y, taille-toi, casse-toi. Tu es pris bien. Ton b. Vas-y, casse-toi. Casse-toi avant que je t'arrache la tête. Vas-y, taille-toi. Ça se cul. Ah! Tu fais quoi là? Tu fais quoi avec ton téléphone? Tu fais quoi avec ton téléphone? Regarde. Vas-y, raccroche ta grand-mère. Raccroche, je vais t'éclater la tête. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'appelle les flics. Tu t'exploses la tête ou quoi? Je t'appelle les flics, je te dénonce. Je m'en bats les. Lâche ton téléphone, tu vas appeler qui? Alors, moi, je m'en fous, prends mon téléphone, prends le drone, prends tout ce que tu veux, je rentre chez moi. Je l'appelle du fixe Silicon Day. Je sais où tu es maintenant. Quoi?
soit tu me passes des sous et je te dénonce pas, soit j'appelle les Condé. C'est soit un, soit l'autre. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Parce que ça manque de sous. Où tu veux maintenant, réfléchis 5 minutes. Où tu veux maintenant que je te retire l'argent là? Explique-moi, on est à une heure de marche. Où c'est que je veux retirer l'argent? Je peux pas montrer en public. Tu le sais, je peux pas montrer en public. J'ai la voiture, on va en voiture. Je te mets derrière, j'ai les vides d'un thé à l'intérieur. J'ai un foutre, je prends des risques en montant ta voiture. Je te connais une dalle en je vais monter dans ta voiture. Alors qu'est-ce qui me prouve que quand je vais te donner l'argent, tu vas pas aller me balancer après? Et quand c'est fini, ouais, tu me passes les sous. Ton histoire est terminée? Quand l'histoire est terminée, tu me passes les sous. Ok. Vas-y, on fait ça, c'est bon? Alors on fait ça. Par contre, file-moi ton numéro. Pourquoi? Au moins, je t'appelle quand c'est fini et tu me files les sous. 06. Voilà, ça c'est mon numéro. C'est bon, je t'ai bandé. Hop, j'ai ton numéro. T'as mon numéro. C'est bon? C'est bon. Et passe-moi ton identité aussi. Pourquoi? Si tu m'appelles pas, moi je sais où tu habites. Ok, ça va. Non, mais tu me la rends la carte. Tu la prends en photo si tu veux pour l'adresse, mais donne-moi la carte. Ok. Eh ben, faut, frère, tu me fous, toi. T'as l'adresse, t'as mon nom, t'as mon prénom, t'as tout. J'ai tout, voilà. Donc c'est bon. Maintenant, juste, moi, je te fais confiance, va l'inscrire à personne. Ni à tes collègues, ni à rien. Okay. C'est bon, parce que c'est si bon. Je rentre à cause de toi, j'ai ton numéro, moi aussi, je te retrouve, je te défonce. Je te défonce. Allez, vas-y, la chope. Vas-y, on remonte la tente, on se taille quand même. J'ai pas, frère. Vas-y, je refais tout et on tague.